Il a passé un peu plus de 3 heures devant les membres de la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Sans surprise, puisque le département des travaux publics sollicite la plus grosse enveloppe budgétaire, soit 527 milliards de francs CFA. C'est que les attentes sont nombreuses. Nous avons réceptionné des axes routiers pour 2021. Nous allons encore en réceptionner en 2022. Et nous allons ouvrir d'ailleurs de nouveaux sentiers. Par exemple, en 2022, nous allons réceptionner environ 422 km de route. Ça, c'est déjà sûr. En accélérant les travaux, avec nos visites de chantier, avec nos réunions de revue, nous amènerons certainement certaines entreprises à mieux faire de telle manière que les travaux routiers soient livrés alors que les opérations financières se poursuivent. Face aux députés, le patron de travaux publics a dressé le bilan de l'année en cours. En dépit d'un environnement difficile, marqué par des crises à la fois économiques, sanitaires et sécuritaires, plusieurs projets ont été livrés et d'autres le seront avant la fin de l'année en cours. Il s'agit d'abord d'une dynamique d'ensemble. La maîtrise d'ouvrage que j'assure s'emploie donc à travers des visites constantes de chantier, de réunions de revue, à faire avancer les projets. Ainsi, nous réalisons ces résultats que nous saluons tous aujourd'hui. Nous livrons ainsi un peu plus de 900 km de route pour cette fin d'année 2021. Nous allons en livrer encore davantage, et ce qui signifie que les efforts sont en train d'être faits, ils vont se poursuivre. Au rang des réalisations, sur les 778 km de route bitumée, il y a 2 sections autoroutières, dont la première phase de l'autoroute Yaoundé-Douala, puis Kribi-Lolabé, ainsi que 12 axes routiers, soit une augmentation de 9,4% des linéaires du réseau routier bitumé, lequel passe de 8 347 km en 2020 à 9 133 km cette année. Nous conduisons un programme de connectivité par la route qui voudrait que toutes les localités soient reliées par les routes bitumées. Donc, nous avons 1444 km de route à construire. Donc, cette ressource va être recyclée dans ces travaux de construction. Une trentaine de préoccupations ont meublé les échanges entre le ministre des Travaux publics et les députés. Elles portaient essentiellement sur la poursuite de l'autoroute Yaoundé-Douala, la route Ebolova à Komde-Kribi, l'état du réseau routier communal, la situation au Madjeni, puis l'état des axes routiers en prélude à la Cannes.